Ma voiture ne veut plus s'ouvrir avec la clé, avec le bouton, ça sert à rien. C'est chiant. Chronicles de couchette. Grenoble, Montpellier. Nice, je me rappelle. Là on part, on répète. Parce que on répète. Et après on rentre chez nous. Et après on part en tourbus. Dernier tourbus de l'année. Là cette fois. Non, qui suis. Non, n'importe quoi. Mon beau-père a ramené une fenêtre entière pétée. Qui servait pour lui faire des salades apparemment. Donc oui, dernier tourbus de l'année. On arrive sur la fin d'année, donc ça va être bientôt la trêve hivernale. Il nous reste genre un mois. Ça sera 5 semaines de concert. Après, petite pause. Ça, j'ai un voisin qui se garde toujours comme un connard. Si j'étais plus jeune, j'aurais fait des conneries. À l'époque, ce qu'on faisait, c'est il y avait le voisin d'un pote qui se garait toujours mal. Donc on avait mis genre du fromage et des saucisses sous ses poignées de voiture et du fromage sur ses balais d'essuie-glace comme ça quand il. Est-ce que il y a prescription parce que genre c'était il y a longtemps ou est-ce que je suis en train d'avouer des crimes? Moi, le monsieur, madame le juge, c'est pas moi. À part ça, on va faire des nouveaux morceaux, des nouveaux morceaux. Enfin, comme j'ai dit, hein, certains de ces morceaux ont déjà 2 ans pour nous. Ils ont 2 ans pour nous, mais on les a pas joués depuis au moins 1 an. Moi, je sais que certains de ces morceaux, je ne les ai pas joués depuis l'enregistrement, tout simplement. Parce que pas besoin. Parce que j'ai révisé un petit peu hier. J'ai dû faire chaque chanson 2 fois. C'est le bordel. Et voilà, il n'y a pas beaucoup plus à dire. On va aller en répète. J'ai ma nouvelle basse avec moi, ma nouvelle ancienne basse. La 2010. Ça sera un vinyle de Better Lovers qui est pour Yann. Parce que. Oui, on achète. Docteur des vinyles. Et donc là faut que j'aille à Porte de Vincennes récupérer Rafa. Après on va à Carrefour pour acheter à manger. Et je crois que je dois acheter à manger pour Damien aussi parce qu'il m'a demandé il y a un Carrefour avant de venir. Je vais lui choper à manger. Et tu sais quoi, ça va être sympa. Je vais payer et quand il voudra me rembourser je lui dirai non. Parce que comme ça tu feras peut-être mieux son boulot quand il va régler la basse. Du coup lui il va juste croire que je suis sympa et en fait non, il y a une raison. Enfin tu vois c'est un appât pour qu'il tombe dans le panneau. c'est pas facile, je serre un peu les cuisses pour tenir la GoPro pendant que je conduis. Donc au moins mes mains sont libres et je suis pas non plus occupé à regarder ce qui se passe sur la caméra. Mais est-ce que ça compterait genre comme un kit main libre? Est-ce que c'est légal ce que je fais? Sûrement pas. Je suis bon. D'ailleurs je te parle trop. Je pense que c'est surtout ça. Là tu me fais chier sûrement. Ça fait au moins 4 minutes que je dis que de la merde. Et on fait quand même un chronicle de couchettes sur 3 dates. Donc ça va être beaucoup. Donc au cas où, je sais que j'ai dit c'était Grenoble, Montpellier, Nice. S'il y a trop d'images, ça sera divisé. Hein. D'ailleurs, j'ai un retard. J'ai un retard assez conséquent sur les chronicles de couchettes. Ils ont plus d'un mois de retard maintenant. Donc celle-ci va sortir en décembre. C'est froid? Ok, Damien, il vient de m'envoyer un message. C'est pas pour de la bouffe. Une bombe de fédulogie. Est-ce que mon plan marche toujours? Je sais pas. Hey.
pour faire le ménage dans le tourbus, nettoyer sa couchette. T'as fait du logis. Salut. 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 Comment je l'ai fait tout l'été? En combien de temps tu penses que Frédéric Duquesne va s'acheter la PRS MT100 de la marque Tremonti? Ah, je sais pas. Elle vient d'être annoncée avec le prix. Combien? 1800. Il va la trouver à 600. Il va la trouver à 600. Toujours là. Thank you.
yeux, par exemple, en faire des yeux. Ça fait toujours pas. Il y a une douche sur toi. C'est pas bon. Est-ce que c'est un morceau live pour vous ça? J'adore ce morceau. Ah j'adore. Mais est-ce qu'en live il est peut-être efficace? One, à la maison après une répète qui s'est très bien passée. Faut que je fasse mes affaires, faut que je range mes affaires, pas besoin d'une clé de batterie, ça j'imagine que Damien en a déjà, j'espère bien pour lui. Sinon à part ça bah, c'est tranquille hein. Franchement c'est tout se passe bien, on va gentiment faire ses affaires. Je vais regarder une petite vidéo d'Ichi Japon en même temps parce qu'il y a une nouvelle par rapport à la fin de leur crowdfunding, comme ils disent. Par en bus, demain on arrive à Grenoble. J'arrive pas à me rappeler si on a déjà joué à Grenoble ou si j'ai déjà joué à Grenoble avec les gars. J'ai un gros trou de mémoire à ce niveau-là. Donc, j'en sais rien. On va voir. On me le dira. Je demanderai aux gens. Voilà, ce sera plus simple. Tu veux un timelapse de moi en train de faire ma valise? Bon, vas-y, parce que c'est toi. C'est moi, Jimmy, tu me reconnais, j'étais dans la vidéo juste avant. Alors si tu peux liker la vidéo, ça me ferait vachement plaisir. Si tu peux me laisser un commentaire et me discuter avec moi, c'est encore plus cool. Mais si surtout, regarde ce qu'on va faire. On est arrivé, regarde, c'est le chiffre actuel des abonnés de ma chaîne. Je ne le connais pas parce qu'il change tout le temps. Mais regarde-le, il est beau, il est génial, super. Mais ce qu'on pourrait faire surtout, c'est regarde celui-ci. Celui-ci est encore plus grand, il est encore plus beau, il est plus musclé. Je le veux. Essayons d'arriver ici. Ce que tu fais, invite tes copains à venir voir mes vidéos, partage-les sur les réseaux sociaux. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, salut!